Attention, la vidéo que vous allez regarder est avant tout un divertissement qui peut contenir des extrapolations personnelles, des expériences empiriques, des protocoles fantaisistes, des éléments irrationnels et des erreurs. Cette vidéo n'a donc aucune prétention scientifique et elle n'est messagère d'aucune vérité. Le lieu que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de Chasseurs de fantômes est un château inhabité qui m'a été vivement recommandé par plusieurs personnes pour la même raison. Au premier abord, il s'agirait d'un endroit abandonné comme les autres. Un de ces lieux parfois squattés, en partie vandalisés et régulièrement visités que la nature finit par envahir et dont l'état général se dégrade au fil du temps et des intempéries. Ce qui va me pousser à vraiment m'intéresser à cet endroit, c'est que les témoignages que j'ai reçus à son sujet mentionnent presque tous des états de mal-être profond, des sensations de présence ou de la peur. C'est vraiment cette concordance d'émotions irrationnelles négatives perçues par certains visiteurs qui va motiver mon envie d'en savoir un peu plus au sujet de ce château. Je vais donc faire des recherches sur son passé, sur son histoire, et les quelques découvertes que je vais réussir à faire vont définitivement me convaincre d'y mener une enquête. Le château en question se trouve quelque part en France, en bordure d'un fleuve à quelques kilomètres de son embouchure, dans une zone naturellement humide et inondable qui était autrefois marécageuse et insalubre. Avant le XVIIe siècle et les irrigations qui ont permis d'assainir le territoire où ce château est construit, la vie dans cette région était rude. Le mauvais air des marais, les fièvres et le paludisme affaiblissaient les habitants dont l'espérance de vie moyenne ne dépassait pas les 30 ans. On raconte que c'est peut-être pour cette raison que le nom d'une partie du territoire en question viendrait du latin malus locus, qui veut dire « mauvais endroit ». En approfondissant mes recherches, je vais me rendre compte que pour plusieurs raisons, un tel nom pourrait aussi tout à fait convenir au château qui nous intéresse. Je vais en effet découvrir que le terrain sur lequel il a été construit est attenant à celui d'une supposée ancienne léproserie. Dans les années 50, lors du labourage du champ voisin, un agriculteur aurait découvert de nombreux ossements humains. L'examen et les fouilles qui ont été opérées à l'époque ont permis de déterminer qu'il s'agissait d'un cimetière dans lequel étaient enterrés les corps sans vie de malades de la lèpre. Il semblerait qu'un espace avait donc été aménagé à cet endroit précis pour regrouper les lépreux, pour les soigner et pour éventuellement les enterrer afin de limiter la contamination et la prolifération de la maladie. Le château se trouve à une centaine de mètres seulement de cet ancien cimetière. Et il est visible depuis la zone où se trouveraient encore les bâtiments qui auraient servi d'hôpital. À cet endroit, il existe aussi un puits, surnommé le puits des lépreux, qui aurait servi à alimenter en eau l'ancienne léproserie. Une rumeur locale raconte que des corps de malades défunts auraient été jetés à l'intérieur. Il y a un puits garé. Il y a une légende qui dit qu'ils ont jeté... Des corps ? Ouais, dans ce fameux... Il s'agit évidemment d'une légende, mais pour en avoir le cœur net, je vais tout de même me rendre jusqu'à ce puits pour voir ce qu'il y a réellement dans ses profondeurs. Pour cela, je vais y plonger un dispositif submersible composé d'une caméra et d'éclairage à 360 degrés fixé au bout d'un filin et d'un treuil. En observant ensuite scrupuleusement les différents plans et les différentes vues obtenues du fond du puits, c'est sans grande surprise que je vais découvrir qu'il est principalement recouvert de pierres, de feuilles, de sédiments et de branchages. Et à moins qu'il n'ait été nettoyé entre-temps, ou à moins que le fond ne soit recouvert d'une épaisse couche de résidus, je ne vais rien voir qui ressemblerait à des ossements ou à des crânes humains. Il semblerait donc que la présence de corps de lépreux jetés à l'intérieur de ce puits ne soit effectivement qu'une simple légende urbaine. Si la présence d'un ancien cimetière et d'une léproserie est par contre quelque chose de vérifiable et d'a priori authentique, je n'ai pas réussi à savoir si le château, très proche, a joué un rôle quelconque dans l'accueil des lépreux.
D'une manière générale, je n'ai d'ailleurs pas réussi à avoir beaucoup d'informations sur le passé du bâtiment, son histoire, son utilité ou sa construction. Je sais seulement qu'il s'agirait d'une demeure bourgeoise appartenant à la noblesse locale, construite au XVIe ou au XVIIe siècle, qui aurait été transformée en domaine viticole en 1860. C'est à cette époque que les immenses bâtiments agricoles servant de cuvier et de chais, et que les logements pouvant accueillir des ouvriers attenants au château, auraient été construits. Plus tard, la fonction agricole de ce domaine va radicalement changer avec l'arrivée des plus récents propriétaires ayant habité les lieux. Et ce que je vais apprendre au sujet de cette nouvelle activité et de ses répercussions sur les terres de la propriété et son environnement est tout simplement effarant. En 1979, les nouveaux détenteurs des lieux qui ont élu domicile dans le château vont en effet créer une entreprise spécialisée dans la récupération et la valorisation de matières métalliques. Les bâtiments, autrefois dédiés à l'exploitation viticole, vont donc être transformés en espaces de stockage et en un vaste atelier de transformation et de recyclage. Cette activité va exister pendant une quinzaine d'années avant de péricliter et de fermer définitivement en 1994 suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Les habitants du château ont donc fait faillite. Et quelques mois plus tard, ils vont quitter les lieux en y laissant l'ensemble de leurs affaires. Meubles, objets, jouets, vêtements, documents. Comme s'ils avaient dû fuir l'endroit précipitamment. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose que les propriétaires vont abandonner sur place en partant. Ils vont en effet laisser un souvenir bien plus sombre et bien plus dangereux. On va en effet découvrir qu'à cause de l'activité industrielle qu'ils auront menée à cet endroit pendant des années, une grosse quantité de métaux lourds, notamment du mercure, se trouve dans les sols de la propriété. Le domaine est donc désormais totalement pollué. Ces terres sont hautement nuisibles pour la santé et en l'état, le château est a priori devenu inhabitable. D'une triste manière, comme si le sort s'acharnait, après les marécages et après la lèpre, l'air que l'on pourrait y respirer est donc à nouveau malsain. C'est pour cette raison que le château est à l'abandon depuis le départ précipité de ses derniers occupants. Et c'est pour cette raison qu'en dehors des visiteurs, des squatteurs et des fêtards qui y auront fait de courts séjours, plus personne n'a réellement vécu ou habité dans les lieux depuis la fin des années 90. Je ne sais pas si ce château est réellement hanté, et je ne sais pas si les émotions négatives ressenties à l'intérieur par certaines personnes sont réellement liées à quelque chose de surnaturel ou d'étrange qui résiderait encore dans les lieux. Une chose est sûre, le domaine porte toujours les stigmates de son triste passé, et quand on se rend dans cette propriété délaissée et que l'on en arpente les terres abîmées et les couloirs sombres, on a véritablement le sentiment d'être au mauvais endroit. Être au mauvais endroit, c'est pourtant ce que j'ai décidé de faire en me rendant seul le temps d'une soirée dans ce château avec mes caméras et mon matériel pour vivre et pour partager avec vous cette nouvelle expérience de chasseur de fantômes. Le château dans lequel j'ai passé une partie de la nuit est juste derrière moi. Pour le moment, il fait encore jour. L'ambiance est calme, paisible, et en dehors des moustiques et des frelons, car malheureusement, ces animaux ont investi les lieux. Eh bien, en dehors de cela, tout est très calme et je me sens plutôt paisible. Pas de sensations négatives particulières. Ce que je vais faire dans l'immédiat, c'est une visite des lieux de jour pour que vous découvriez l'endroit et puis de mon côté pour commencer déjà à voir ce que ça m'inspire, quelles sont les émotions que je ressens à l'intérieur. Mon travail va être une nouvelle fois de m'ouvrir totalement aux aspects irrationnels de la chasse aux fantômes, en restant très ouvert d'esprit, en me laissant aller totalement à mes émotions. Le château est aujourd'hui entouré d'un mur de ronces, quasi infranchissable, difficilement franchissable plutôt. Juste ici, en fait, on a les bâtiments qui servaient à une lointaine époque de chais, puis ensuite d'entrepôts, de hangars et d'usines, finalement. Et puis, de ce côté, le bâtiment qui servait de logement aux propriétaires successifs du domaine.
Vous allez voir que c'est un lieu qui est en très mauvais état et qui a été largement visité, abîmé, squatté. Des fêtes ont été organisées ici. Des gens sont venus vivre ici dans des conditions un peu sommaires. Et d'autres sont venus, bien entendu, faire de l'urbex. Et puis certains y ont vécu et ressenti des choses apparemment assez négatives qui les ont poussés à quitter les lieux rapidement. Là, on a un premier couloir qui dessert quelques pièces. C'est la zone la plus sombre, même de jour, du château. Quand je vous disais que le lieu était dans un sale état, voilà ce que les gens qui sont venus ici, toutes ces dernières années, ont fait de la cuisine. J'ai posé juste ici une caméra de surveillance qui filme en vision nocturne et qui surveille cette entrée qui est finalement le seul accès pour rentrer dans le château. Ça me permettra de m'assurer que personne n'est venu pendant le temps où je vais séjourner ici. Et si quelqu'un vient, en tout cas d'avoir les images et de peut-être savoir qui. Alors là, on a une pièce assez particulière dont les personnes qui sont venues ici et qui m'ont parlé de cet endroit, m'ont parlé justement, cet endroit-là les avait particulièrement troublés. Et ce qui les avait troublés, c'est pas le fait que le plafond se soit écroulé, puisque ça en fait, ce n'était pas encore le cas quand ils sont venus, mais ce sont les inscriptions qui étaient faites sur le sol. On m'a parlé de rituels ésotériques et d'inscriptions sataniques avec des bougies, et effectivement, j'ai découvert en venant ici qu'il y avait quelque chose dessiné sur le sol, avec des restes de bougies et des papiers sur lesquels sont dessinées des formes, des symboles. On en a d'autres sur le mur. Je pense que les dessins sur le sol, les papiers, c'est une mise en scène qui a dû être faite pour soit s'amuser à jouer à la sorcière, soit peut-être faire une vidéo, un film. C'est amusant de constater que la seule pièce dans laquelle le plafond s'est effondré, c'est cette pièce-ci. Donc c'est un endroit un peu dangereux, dans lequel je ne vais pas séjourner trop. Là, on a peut-être la plus grande pièce de ce château. J'ai sursauté. Je pense que c'est un animal. C'est enregistré certainement, une espèce de... Il y a quelqu'un ? Quelque chose ? On a des frissons. Là, on a peut-être la plus grande pièce de ce château. J'ai sursauté. C'est tellement tranquille que le moindre bruit va me faire sursauter. Je pense que c'était un animal. Je suis en train de dire donc que cette pièce est sans doute la plus vaste du château, avec un plafond qui est des poutres absolument magnifiques. Malheureusement, là encore, vous le voyez, tout est en très mauvais état. Chose étonnante et amusante, on a, amusante une nouvelle fois, on a énormément de grosses peluches comme celle-ci. Là par exemple, on a un Saint-Bernard qui a perdu la tête. Là encore, une autre peluche. Il y en a énormément un peu partout. Donc des enfants ont vécu là. Bon,
rien d'exceptionnel finalement. Et d'ailleurs, on en a encore une ici. Un gros éléphant rose. Donc là, on est dans la tour qui permet donc de monter à l'étage de cette partie du bâtiment. Elle ne sert qu'à ça. C'est un escalier. Et on va arriver dans une partie du bâtiment qui est dans un état absolument ignoble. Je crois que j'avais jamais vu ça dans un lieu abandonné. L'endroit a été littéralement retourné par les squatteurs, les visiteurs. J'avais vraiment jamais vu ça. C'en est même à la limite de l'écœurement. Pour le coup, on n'enquêtera pas dans cette partie du bâtiment. A priori, sauf si quelque chose devait m'emmener à venir ici. Peut-être que j'y viendrai quand même, mais voilà, c'est pas un endroit où je compte rester beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Rien que le fait de circuler ici est pratiquement pas impossible, mais ignoble. On marche sur des détritus, j'ai l'impression d'être dans une décharge. Et là, on se retrouve dans une partie du château où il y a un mélange d'objets, de livres, de documents, de vêtements qui ont appartenu aux anciens propriétaires et d'objets, d'éléments, de vêtements, de choses et de déchets qui ont été laissés là par les différents squatteurs et les différents visiteurs qui sont venus dans ce château. L'état est absolument déplorable. Je n'ai jamais vu ça. Dans cette pièce, par exemple, on ne peut même plus vraiment rentrer sans escalader les monticules de déchets et d'objets qui sont sur le sol. Et on retrouve quand même, tout de même, beaucoup d'objets qui, selon moi, ont plutôt appartenu à des enfants. Je pense que ça, c'était la chambre d'une petite fille qui a vécu là, donc, il y a peut-être 40 ans. Mais tout est... En marchant là, je viens de casser du verre, donc je vais même pas trop chercher à me déplacer ici. C'est presque dangereux, finalement. Là, on a une salle de bain qui est aussi dans un état lamentable. Là, il y a encore une pièce avec quelques restes de mobilier. Un miroir qui ne ressemble plus à rien. Des photos, des négatifs, des cassettes vidéo, des livres. Des vêtements. Un vieil aspirateur. C'est une déchetterie. Et vous ne l'avez pas, mais de tout ça se dégage une odeur particulièrement désagréable. Je ne saurais même pas la définir. Parce que ce qui est surprenant, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un vivait encore ici. Qu'il y a encore des odeurs corporelles, des odeurs de sueur, des odeurs de personnes sales, de personnes qui vivent dans des conditions exécrables, et c'est encore prégnant dans la pièce. Enfin, dans la pièce, dans tout cet étage. On va redescendre en utilisant l'escalier de la tour. Le seul moyen d'accéder à cet étage, c'est de passer par cet escalier. Et vous allez voir que le reste du château est un peu plus convenable. Donc pour rejoindre le reste du bâtiment, on va emprunter ce couloir. Et ce couloir, je le trouve assez effrayant, pas très rassurant. Évidemment, ça tient au fait de son apparence, puisqu'il est... on le croirait tout droit sorti d'un film d'horreur. Ce couloir fait vraiment partie des endroits du château qui m'impressionnent.
le plus. Alors, je voulais vous emmener dans la pièce qui est juste en face de moi, juste là. Le problème que j'ai, c'est que j'entends un frelon. Alors, je suis équipé d'une bombe aérosol, éventuellement, pour pouvoir m'en débarrasser. Le problème, c'est qu'on a un nid sur le toit. Et donc, je risque d'en attirer beaucoup avec mes torches. On va bien voir. En fait, je vais tout de suite chercher ma bombe aérosol et je vais gazer cet endroit. Je me suis donc débarrassé des frelons. Donc cette pièce est la dernière pièce un peu sordide, un peu désagréable, pièce qui ressemble plus à un dépotoir, une déchetterie qu'autre chose. Et tout a été abîmé. Là, on a les restes de ce qui me semble être peut-être une ancienne horloge. Tout est sans dessus-dessous, tout est abîmé. Il y a des chaussettes, des documents, des cartons, des vieux livres, des bouteilles. Tout est en vrac. On arrive désormais dans la partie qui semble être la moins abîmée, celle qui est peut-être la moins squattée, qui a peut-être été la moins squattée du château. Une partie un peu plus agréable. Enfin, le mot est peut-être mal choisi, mais par rapport au reste du château, ce que je vous ai montré, c'est peut-être la partie la plus agréable. On arrive donc dans cette première pièce, avec cette cheminée. Toutes les pièces que l'on traverse actuellement sont en enfilade et permettent aux deux parties droite et gauche du château, qui ont un étage, de se rejoindre. Là, on arrive donc dans la pièce qui se trouve dans l'aile opposée à l'aile où se trouve la tour. C'est une pièce assez grande, là encore, dans laquelle j'ai découvert cette installation avec cette télévision posée en plein milieu, cette vieille télé, et tout autour des documents, mais qui sont en fait des impressions. Et ce sont des textes. Et en fait, il y a plusieurs fois les mêmes pages. Donc je pense que c'est une mise en scène, peut-être pour un clip ou pour un tournage de film d'horreur amateur, je ne sais pas. En tout cas, absolument rien de qui pourrait être lié à quelque chose de paranormal. C'est une mise en scène selon moi, mais elle a le mérite de mettre une certaine ambiance dans cette pièce. Et j'y suis sensible. Vous voyez, même si là encore... Même si là encore c'est un petit peu abîmé, c'est tout de suite un peu plus agréable. Quelque chose vient d'attirer mon attention, et je vais immédiatement m'interrompre pendant quelques secondes. Il s'agit d'un son qui a retenti pendant que je décrivais la pièce dans laquelle je me trouve. Étant donc en train de parler au même moment, je vais avoir du mal à bien cerner ce que j'ai cru percevoir. Et comme je vais constater que les carreaux des fenêtres sont cassés et que l'on entend parfaitement les oiseaux chanter, je vais immédiatement penser qu'il s'agit d'un bruit tout à fait normal et naturel provenant probablement de l'extérieur. En écoutant plus tard ce que mes microphones ont enregistré, je vais constater avec étonnement que ce son qui se superpose sur ma voix ne ressemble pas vraiment au chant d'un oiseau, et qu'il est finalement assez difficile d'en expliquer la présence. C'est une mise en scène selon moi, mais elle a le mérite de mettre une certaine ambiance dans cette pièce, et j'y suis sensible. Vous voyez, même si là encore... Vous voyez, même si là encore... Même si là encore c'est un petit peu abîmé, c'est tout de suite un peu plus agréable. Juste ici, je me suis installé. C'est là que j'ai entreposé pour le moment mon matériel. Rien n'est installé dans le château, mais j'ai tout amené là pour pouvoir par la suite voir un petit peu comment je vais articuler mon enquête. J'ai préféré tout laisser dans cette partie un peu éloignée du bâtiment, plutôt que dans la partie proche de l'entrée, facilement accessible. Ça me permettra de mieux surveiller mon matériel ce soir. Je vais vous parler de grosses peluches. Juste ici, on a cette énorme tortue. Alors ici, c'est une des pièces qui me parle le plus. Alors, quand je dis qu'elle me parle le plus, c'est... je sais pas.
une des pièces dans laquelle, lors de ma visite il y a quelques jours, pour découvrir un peu cet endroit avant de venir avec mes caméras, une des pièces où, alors je m'y sens pas mal, mais dans laquelle je sais pas, je me dis qu'il pourrait y avoir quelque chose. Voilà, je peux pas dire les choses autrement. Donc c'est vraiment une pièce qui m'intéresse. C'est totalement irrationnel, mais vous savez que je me laisse totalement aller à ça. Je vais essayer de suivre mes intuitions, mes émotions, quitte à être dans l'imaginaire, quitte à me tromper. C'est vraiment histoire de donner sa chance à ce qu'on appelle l'ésotérisme, le paranormal, le spirituel. On verra bien. Moi, je suis là aussi pour ça. Cet endroit, cette pièce, fait partie des pièces. Je sais pas, selon moi, ça pourrait être un bureau. C'est ce que ça m'évoque, un bureau ou un lieu de travail, une bibliothèque. Enfin, j'aurais bien vu des livres, beaucoup de livres dans des étagères et un bureau. Et en tout cas, je sais pas. Ou peut-être parce que moi, si j'avais vécu ici, c'est ici que je me serais installé. Peut-être pour travailler, je ne sais pas. Je me trompe peut-être totalement, c'est vraiment une impression qui est liée à peut-être même l'aspect du lieu, tout simplement. Et juste derrière, cette petite pièce qui ressemble plus à grand-chose. Et là, on arrive dans la pièce où le plafond s'est écroulé et où se trouvent les signes ésotériques sur le sol et sur les murs. Juste là, on a un escalier très différent de celui qui est dans la tour. De ce côté-ci, il n'y a pas de petite tour avec un escalier. Il y a cet escalier-là qui permet d'aller dans un autre étage. Et les deux étages ne peuvent être rejoints qu'en passant par le rez-de-chaussée et par notamment le couloir un peu flippant qui se trouve ici, que je vous ai montré tout à l'heure. J'en fais juste part comme ça, j'ai les oreilles qui sifflent. Bon, c'est en train de passer. Bon, ça arrive, c'est pas un truc exceptionnel, mais je le signale juste pour en avoir souvenir. Oreilles qui sifflent en arrivant à l'étage, dans la première pièce. Chauve-souris. J'étais en train de regarder les tissus, enfin les rideaux, et les battements d'ailes de chauve-souris m'ont fait penser à des tissus justement, qui est juste derrière moi. Ça m'a pas terrorisé, mais ça m'a un petit peu surpris. Cette petite abeille toute mignonne, c'est un artiste qui s'appelle Fred Rush Collins, qui dessine ça un peu partout. Dans des lieux abandonnés comme ça ou sur des bâtiments, on peut trouver ces petites abeilles et il y a toujours une petite phrase qui l'accompagne un peu partout. Et donc il est venu ici. Si je me fie à mes ressentis et aussi aux impressions que j'ai, qui sont liées tout simplement à l'aspect général de cette partie du château, je trouve que c'est très féminin. Oui, je sais, c'est un peu cliché, c'est parce que il y a des papiers peints un peu roses, des portes dessinées en vert et en rose. Je trouve que c'est très féminin, très, très doux, très tendre. Il y a quelque chose de très... Il faut savoir que c'est une déco qui a peut-être un siècle, donc à cette époque-là, je pense que les couleurs avaient une certaine importance, et je pense pas que le fait qu'on ait du rose comme ça... Alors on est dans une salle de bain, là, hein, mais la première pièce qu'on a vue tout à l'heure était aussi dans ces tons.
Voilà ce que je vous expliquais en fait. En face, on a l'autre partie, l'autre aile du château, avec justement donc la petite tour, et toute cette partie, qui est finalement une vaste déchetterie, se trouve de l'autre côté. Donc là, la petite pièce qui servait de toilette. J'appellerai cette pièce la chambre bleue. Alors, étonnamment, alors non, pas étonnamment, parce que il n'y a plus du tout de vitre sur la fenêtre qui est là, donc l'air passe, mais j'ai senti des courants d'air ici, frais. Finalement, c'est pas étonnant. Hein. Tout est un peu ouvert à tout vent. Mais j'ai senti un courant d'air me traverser, mais la nuit tombe. Et c'était assez subtil, mais ouais, c'était bizarre. Ça, c'est la dernière pièce, chauve-souris venue ici, la dernière pièce de cet étage. On aura fait le tour du château, avec là encore un des dessins de Fred Rush Collins. Une magnifique cheminée, là encore un papier peint au ton rosé, et ces rideaux avec ces broderies comme ça. Là encore, je trouve que c'est très féminin. Et là, on est dans la deuxième pièce qui m'a le plus... j'ai pas le terme, c'est pas... Je sais pas, qui me parle le plus. Cette pièce, voilà, je sais pas. Sentiment qu'il y a un truc à y faire. Donc voilà pour la visite du château. La nuit est vraiment en train de tomber, c'est pas encore complètement le cas. Mais on est à quelques, je dirais, peut-être une heure d'être vraiment en pleine nuit. Je pense que oui, bon, dans une petite heure, il fera nuit. Enfin, totalement nuit. En attendant ce moment-là, eh bien, je vais m'asseoir à côté de mon matériel, juste là, me poser tranquillement, écouter le lieu, me laisser un petit peu envahir par ce qu'il dégage, par être vraiment en observation, en écoute. Et puis, j'attaquerai... l'enquête juste après. Je vais en profiter aussi pour manger un petit morceau, pour reprendre des forces. Et puis, à moins qu'il se passe quelque chose, on reprend juste après. Pour le moment, tout va bien. Si effectivement, pour le moment, tout va bien, la perspective de me retrouver seul, dans la pénombre, dans un tel endroit, n'est pas vraiment rassurante. Et même si pour le moment j'ai le sentiment que rien de profondément étrange ne s'est encore produit pendant cette première heure passée dans le château, quelques événements ont tout de même déjà mis à mal ma sensibilité. Il y a d'abord eu ce bruit rauque et agressif qui a retenti depuis l'intérieur de la tour. Puis ce que j'ai cru entendre dans la salle qui me sert de QG et qui pourrait ressembler à une sorte d'interpellation presque humaine, qui serait dans ce cas-là plutôt féminine. Par la suite, chose que je n'avais jamais encore vécue lors d'un tournage, je vais être victime de sifflements d'oreilles assez importants en pénétrant dans une des premières chambres de l'étage. Et enfin, il y a eu cette sensation de courant d'air froid que j'ai soudainement ressentie lorsque je me suis retrouvé dans la chambre bleue.
Quant au château et à ses différents espaces, ce sont principalement deux de ces pièces qui, pour le moment, ont véritablement retenu mon attention. Il y a celle du rez-de-chaussée qui m'intrigue et que j'imagine peut-être à tort être un ancien bureau ou une ancienne bibliothèque. Et il y a celle de l'étage, qui est sans doute une ancienne chambre, dans laquelle j'ai ce que j'appellerais avec prudence des impressions irrationnelles. Ces quelques éléments ne sont pas vraiment des faits tangibles et concrets, mais tout comme les témoignages que j'ai reçus au sujet du château dans lequel je me trouve ce soir, ce sont selon moi des indices à prendre en compte pour la suite de l'enquête que je m'apprête à mener. En attendant justement que la pénombre n'envahisse totalement les lieux pour pouvoir réellement commencer cette investigation nocturne, je vais d'abord m'installer dans la pièce qui me sert de QG et prendre le temps de me restaurer tout en observant, en écoutant et en m'imprégnant de l'atmosphère qui m'entoure. Pendant ce long moment, rien de particulier ne va se produire, et c'est donc dans le plus grand des calmes et le plus grand des silences que je vais ensuite m'occuper de mon matériel et m'atteler notamment à préparer la première des expériences que je compte mener ce soir, une fois la nuit tombée. J'ai pris le temps de manger, de me poser, d'écouter, d'observer un petit peu les lieux. Je m'y sens assez bien. La nuit est totalement tombée. Je vous cache pas que j'ai hâte de partir d'ici, simplement parce que le lieu est extrêmement glauque. L'état général du bâtiment fait qu'on n'y est vraiment pas à l'aise de toute manière. Donc je ressens quand même une envie d'en finir. Je devrais apprécier ce moment d'enquête, mais je vous cache pas que là, j'ai un sentiment un petit peu, de pas être le bienvenu. Je me disais aussi, en mangeant, que cet endroit a quelque chose de profondément noir, de profondément obscur. Ça vient évidemment de l'état général du bâtiment, du fait qu'il était laissé à l'abandon, la pollution qu'il y a eu ici, de la léproserie, pas loin. Je trouve qu'il se dégage aujourd'hui, en tout cas, il y a certainement eu des moments heureux dans cet endroit, mais aujourd'hui, ce qu'on trouve ici, c'est quelque part un peu ce qui se fait de pire, je trouve. J'ai ce sentiment-là, en tout cas, d'être au milieu de quelque chose d'extrêmement noir, d'extrêmement sombre, d'être au milieu de quelque chose où j'ai pas envie d'être, où j'ai pas envie de rester. Voilà, petit aparté rapide. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est l'expérience que je vais mener. J'ai un ordinateur posé ici, c'est un petit peu particulier, c'est assez galère à faire. J'ai donc un seul ordinateur qui est relié à distance à mon casque VR. Je vais m'en servir un peu comme des lunettes à vision nocturne. Je vais porter ce casque et je vais faire ça tout de suite tant que j'ai encore de l'énergie pour tenter l'expérience. Je vais me balader dans le bâtiment en ne voyant plus l'endroit où je me trouve qu'à travers mon casque. J'espère, pourquoi pas, voir des choses que je ne verrai peut-être pas forcément avec mes yeux. En tout cas, mon environnement va être troublé, mon environnement va être différent de ce que je peux voir avec mes yeux habituellement. Ça va être un peu particulier, je vais être un peu comme dans un jeu vidéo d'horreur d'une certaine façon, sauf que ce que je vais voir, c'est vraiment le bâtiment dans lequel je me trouve. J'ai envie de mener cette expérience, je ne sais pas combien de temps je vais réussir à le faire, en sachant qu'en plus, le fait d'avoir un casque sur les yeux me cache d'une certaine façon la réalité. Je vais l'enfiler tout de suite. Là, je vois le château essentiellement à travers mon casque VR, donc en infrarouge. Évidemment, alors je suis connecté avec un Wi-Fi qui est ce qu'il est, en tout cas voilà, avec un partage de connexion, il se peut qu'il y ait des problèmes techniques. Je tente l'expérience, je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller dans le bâtiment. Mais le fait de voir à travers ce casque va peut-être me permettre de voir des choses que je ne verrais pas à l'œil nu. On dit que
L'infrarouge permet de voir et de révéler des choses que l'œil humain ne voit pas, notamment des apparitions. J'ai déjà me déplacer par là. Alors, mon casque est équipé d'une petite torche infrarouge qui va m'éclairer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, dans le château ? Je m'appelle Guillaume. Je m'appelle Guillaume et je suis venu pour rencontrer les personnes qui ont vécu ici par le passé et qui sont peut-être encore dans cet endroit. Je ne vais pas pouvoir m'éloigner trop de l'ordinateur qui fait la capture vidéo, au risque de plus avoir les images. Je suis dans une des pièces de la partie droite du château. Est-ce que vous avez conscience de ma présence ? Est-ce que vous pouvez me parler ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Est-ce que vous accepteriez de vous manifester ? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont habité ce château qui seraient encore ici? Je m'adresse en tout cas à votre âme, à votre esprit. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai des gros frissons parce qu'en fait c'est très pour moi en tout cas dans mon casque je vois des formes qui se font. Passer une partie de la nuit ici, dans l'espoir d'établir un contact avec vous. Je vais vous poser des questions tout au long de la soirée, je vais vous solliciter. Et je ne partirai que si j'obtiens des réponses. En gros, si vous voulez vous débarrasser de moi, vous avez tout intérêt à vous manifester le plus vite possible. Pouvez-vous apparaître, s'il vous plaît, dans la pièce où je me trouve ? Emmener l'ordinateur avec moi. Je vais me déplacer avec. Tout simplement.
va monter à l'étage. Je monte à l'étage de cette partie du château. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je visite vos chambres ? Il y a quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a une femme ici? Une dame? Est-ce que vous êtes là, madame? Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour m'indiquer votre présence? Vous pourriez cogner, par exemple, quelque part. Pour me faire savoir que vous êtes là. Je me sens pas très à l'aise, soudainement. Là, je me sens... Bon, bien sûr, toutes les conditions sont réunies pour ça, mais je me sens pas très à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette partie du château ? Qui accepterait de me rencontrer ? Si vous êtes un ancien habitant des lieux ou une ancienne habitante des lieux, je suis désolé pour vous. Je ne sais pas si vous en avez conscience, si vous le voyez, mais le château est dans un état de délabrement. Inacceptable. Cet endroit où vous avez vécu est abîmé. Visité, il a été cassé, n'a pas été toujours respecté, j'ai l'impression. Est-ce que cela vous attriste ? J'ai des très très gros frissons qui me parcourent tout le dos, les bras, le corps en arrivant là. J'ai des frissons terribles, je suis pas bien à cet endroit-là. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ben, je suis pas du tout bien là, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous accepteriez de vous montrer, s'il vous plaît ? Alors là, c'est la pièce qui, pour le coup, me rend... extrêmement mal à l'aise. Des frissons dans tout le corps. Ça me prend tout le corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce ? Moi, c'est Guillaume.
C'est mon prénom. Je me suis invité chez vous ce soir, dans l'espoir de passer un moment en votre compagnie. Je sais que c'est pas simple pour vous, que ça demande peut-être un effort. Mais je vous serais très reconnaissant si vous acceptiez de faire cet effort-là et de venir jusqu'à moi. J'ai comme si quelque chose était passé devant moi très vite. Vous êtes là? Là et vous avez accepté mon invitation à passer un moment avec moi, je vous remercie. J'ai beaucoup de bugs visuels là, depuis un petit moment, de choses qui sont peut-être liées à l'application, hein, mais... Est-ce que vous pouvez faire bouger une porte, par exemple, la fermer devant moi ? Je suis régulièrement surpris par des odeurs désagréables. Il fait froid. Il fait beaucoup plus frais dans cette pièce. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est... Là, par contre, vous voyez, il y a encore des carreaux et les volets sont fermés. C'est une pièce où il y a peut-être le moins de courant d'air, a priori. Et c'est un endroit où il fait très très frais. Alors, c'est marrant, hein, c'est purement de l'instinct, c'est purement un sentiment. J'ai l'impression ici qu'il y aurait plutôt un homme. Si je devais sentir une présence, évidemment, mais ce serait plus masculin.
maître de maison pourrait être là, voilà, un bureau avec un homme. Et au-dessus, présence féminine. Est-ce qu'il y a un monsieur ici? Est-ce que monsieur... ou son épouse? Est-ce que monsieur de... ou son épouse sont ici? Donc là, j'invoque les propriétaires dans les années 1900-1950, à l'époque où le château était encore un château viticole. C'est un des rares noms de propriétaires que je connais. Est-ce que monsieur de... est là? Vous avez été propriétaire de ce domaine. Vous y faisiez du vin. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion sur ce qu'est devenu votre château, votre demeure, et sur ce qu'est devenu par la suite le domaine. Le fait... Je sens un courant d'air très froid sur moi, là. Le fait que... que votre domaine était pollué par les propriétaires suivants. Est-ce que... alors là, j'ai des très 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 gros frissons. J'ai l'impression d'entendre des mouvements, mais je peux me tromper. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais pas si ça vient de l'extérieur ou si c'est ici, je sais pas. Est-ce que monsieur... je m'adresse à monsieur... ou à son épouse. Vous avez habité ici? Il y a quelques années, vous êtes décédé aujourd'hui. Chauve-souris. Vous êtes décédé aujourd'hui. J'aimerais... alors je ne sais pas si vous êtes responsable des pollutions qui ont eu lieu sur le domaine. J'aimerais savoir si... cela vous affecte. C'est dur. Très gros frisson à nouveau, mais je suis dans ce couloir qui est assez terrorisant. La cuisine est aujourd'hui complètement détruite. On a l'impression qu'une tornade est passée par là. Est-ce que cela vous attriste de voir cette cuisine, et de manière générale ce château, dans cet état-là? Ou est-ce que vous n'en avez pas conscience? Il y a quelqu'un avec moi ici ce soir, dans le château.
pas y rester, c'est trop dangereux. Je vois pas assez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette partie du château ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Je peux pas rester ici. C'est trop dangereux de déambuler ici avec un casque. Je risque vraiment de tomber. Il faut savoir une chose, hein, c'est que là je vois dans le noir, mais je suis totalement immergé dans le noir. Si j'enlève mon casque, je ne vois absolument rien. C'est-à-dire que là, je suis dans l'obscurité la plus totale, en train de me promener dans un château à l'abandon, extrêmement lugubre et extrêmement abîmé par le temps. Je pense que ça fait bien une demi-heure que je me promène avec le casque. Et je pense mettre un terme à cette balade, un peu virtuelle. Je mets fin à l'expérience avec le casque VR. C'était assez troublant à vivre. Je ne sais pas du tout si ça a servi à quelque chose. En tout cas, je l'aurais fait. C'était quelque chose que je voulais tenter. Je réitérerai peut-être l'expérience. Il y a peut-être moyen d'améliorer le processus, le principe, je veux dire, et à voir pour de prochaines investigations. Mais c'est assez troublant de se promener et de voir dans le noir. De cette façon, ça transporte dans une autre réalité, d'une certaine manière. Et là, j'ai l'impression de redécouvrir totalement le lieu qui m'entoure, en tout cas la réalité du lieu qui m'entoure. Je vais ranger ça et j'attaque d'autres expériences. En me permettant de voir dans la nuit et en modifiant ma perception générale de l'environnement, comme je l'avais imaginé, l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle pour observer les lieux m'a totalement transporté dans une sorte d'univers alternatif particulièrement troublant et oppressant. Mais ce que j'avais surtout espéré, c'est que ce dispositif me permette aussi de percevoir la présence de potentiels fantômes. Et finalement, lors de cette visite numérique du château, en dehors de quelques ressentis, je serai seulement témoin de plusieurs altérations de l'image, a priori tout à fait normales et anodines. Toutefois, parce qu'elles ont réussi à me surprendre, qu'elles sont particulières et qu'elles se sont produites essentiellement dans les deux pièces du château qui m'inspirent et qui m'impressionnent, deux d'entre elles sortent un peu du lot. Il s'agit probablement de simples interférences vidéo et leur présence dans ces deux endroits précis n'est peut-être qu'un simple hasard, mais parce qu'elles ne sont pas communes, ces deux anomalies méritent tout de même selon moi un peu plus d'attention que les autres. Et elles pourraient même rejoindre la liste des indices récoltés lors de cette enquête. Depuis quelques temps, je fais appel à des médiums, à des personnes qui perçoivent des choses dans mes enquêtes. Voilà, je leur envoie des photos,
Je leur ai envoyé quatre photos. Une photo de l'extérieur, on voit la tour. Une photo de face du bâtiment. Une photo de la pièce, je crois, dans laquelle je me trouve. Et une photo de la pièce qui est juste à côté. Et je leur ai demandé de me dire, de m'écrire, ce que ça pouvait leur évoquer, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils voyaient, et de me l'écrire et de me l'envoyer. Je n'ai pas pris connaissance de ce qui est écrit. Ça a été imprimé, mis sous scellé dans une enveloppe, et je vais les découvrir. Je vais découvrir ces trois textes, il y a trois médiums. Je vais les découvrir avec vous ce soir. Je vais prendre la première enveloppe, et on va voir si ce qui est dedans correspond à peu près aux éléments historiques que je connais déjà, voir si ça correspond peut-être à des ressentis que j'ai eus, moi, déjà dans la maison. On verra aussi si, par la suite, ce qui est écrit là va s'avérer correspondre à des éléments qui pourraient se produire. Peut-être aussi que ça va m'influencer un petit peu, ça va peut-être participer au conditionnement qui, à mon sens, est potentiellement favorable quand on cherche à entrer en contact avec des fantômes. C'est le courrier d'Adrien qui m'a écrit un long texte. Apparemment, les photos que je lui ai envoyées l'ont inspiré. Petit domaine et château datant environ du XVIe siècle. Il était beaucoup plus grand auparavant, des parties manquent aujourd'hui. J'entends des chiens de chasse à court dans ce lieu, de nombreux chevaux et de grands repas avec des nobles, des enfants. Sur ces deux premières phrases, je n'ai pas la date exacte de construction du château, donc ça je ne sais pas. Le domaine est quand même vaste. C'est un petit château, mais c'est pas un petit domaine. Pour les chiens de chasse à court autour de ce lieu et les chevaux, les grands repas avec des nobles, je ne sais pas si c'est un château médiéval. Donc il y a un bruit à ma droite. Je ne sais pas ce que c'était. Les grands repas avec des nobles, je ne sais pas si c'est un château médiéval. Donc il y a un bruit à ma droite. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était. Bref. Il y a eu des propriétaires différents qui l'ont occupé jusqu'à ce jour, et des époques qui se croisent. Le lieu est connu, a connu des successeurs et du passage comme résidence secondaire. Je vois un homme de forte corpulence, joufflu, qui régnait ici au XVIe siècle, qui a eu une femme partie trop tôt. Il est encore présent et il observe souvent ces terres depuis la tour. Je ressens une sensation de froid à l'étage. Il y a eu des femmes domestiques. L'une d'entre elles dit « pressez-vous » pour rejoindre la partie principale d'un long couloir avec une boule au ventre et du stress à cause de son tempérament, de désir, de geste. Je vois un homme du XIXe siècle assez fin et élégant, aspirant à une vie littéraire, juridique ou politique. Je vois un espace qui lui est dédié, un bureau ou une bibliothèque où il passait de nombreuses heures. Alors, est-ce que ça pourrait éventuellement être cet endroit-là ? Monsieur, je vous ai déjà sollicité à plusieurs reprises. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai le sentiment que cette pièce était peut-être votre bureau. Est-ce que vous avez passé de nombreuses heures ici ? Est-ce que vous étiez un juriste ? Est-ce que vous faisiez ou de la politique ? Il se déplaçait beaucoup et loin et réunissait du monde ici. Il est très présent sur le côté droit du bâtiment et il attend quelque chose pour partir. Monsieur ? Qu'est-ce que vous attendez ? Pour partir du château. J'ai d'énormes frissons en posant cette question. Monsieur, qu'est-ce que vous attendez pour partir du château ?
J'entends pas de bruit, hein. J'ai des sensations bizarres. J'ai l'impression d'être, je sais pas, pas observé, mais c'est bizarre les sensations de présence, qu'il pourrait y avoir quelqu'un là. Ah, j'ai froid, c'est terrible. J'ai des gros coups de froid dans cet endroit, hein, depuis tout à l'heure. C'est vraiment très étonnant. En arrivant ici, là, en ressortant de la pièce dans laquelle j'étais, eh bien là, tout d'un coup, j'ai un sentiment de passer d'un état un peu second à un état où je suis à nouveau dans la réalité et il n'y a absolument rien. Là, j'étais juste un instant en train de me dire, mais en fait, tout va bien, il n'y a rien. Je suis juste dans ce château à l'abandon et il ne se passe rien. Alors que juste avant, dans la pièce dans laquelle j'étais, j'avais un sentiment très différent. C'est complètement hallucinant. C'est bizarre. Ça me le refait, là. J'ai froid. Je suis pas à mon aise. C'est très bizarre, hein, comme sentiment. Je le rappelle, hein, on est dans l'irrationnel, c'est l'idée. Hein. Je me laisse aller totalement à mes sens, même si je me trompe, je me laisse aller totalement dans mes impressions, mes ressentis. On va continuer de lire le courrier. Au XXe siècle, un couple a occupé les lieux et y a caché des maquisards pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été emmenés et sont revenus vivre ici après une longue période. Seul l'homme, décédé de problèmes respiratoires à l'hôpital, est encore là, restant devant une porte d'entrée. Il observe les personnes qui entrent et sortent en ce lieu ces derniers temps. Il observe les déambulations d'une sorte de vagabond agité qui a peut-être une addiction ou une pathologie mentale. C'est une personne isolée, proche de cet endroit. Alors, à l'extérieur du château, à l'entrée, il y a... Je suis très surpris par ce que vient d'écrire Adrien, vous allez voir pourquoi. À l'entrée du château, il y a une petite dépendance, un petit logement qui servait de logement de gardien. Et c'est le premier bâtiment que je suis allé visiter en me disant « Tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dedans ». Et en faisant mes premiers pas à l'intérieur de ce petit bâtiment, cette petite maison, j'ai soudainement entendu du bruit, des bruits de pas. Et donc j'ai demandé s'il y avait quelqu'un. Et là, on m'a répondu. J'ai entendu « Oui ». Et c'était un monsieur qui s'est présenté et qui m'a dit qu'il squattait là. Il se trouve que on a fait la visite du château ensemble. Et donc c'est lui qui m'a montré toutes les pièces. Il connaissait tout par cœur. Tout lui semblait familier. Donc en fait, je pense qu'il vient, de temps en temps ici. J'associe ce dont parle Adrien à cette personne. D'autant plus que je suis revenu quelques jours après pour refaire, pour faire ce que j'appelle les plans de coupe. Et en fait, il n'était pas là. Et aujourd'hui encore, il n'est pas là. En fait, je pense qu'il a quitté les lieux depuis ma venue. J'ai donc pu visiter l'endroit où il vivait. Et il se trouve que j'ai trouvé des restes d'emballage de seringues et un endroit pour dormir au sol, très vétuste, des conditions horribles. Je pense que j'ai eu affaire à un toxicomane. Et d'ailleurs, ça m'a un peu choqué. Ça rajoute à cette ambiance un peu noire, sombre, que je ressens beaucoup dans ce château. Enfin voilà, je ne peux pas ne pas faire un lien entre ce que Adrien a écrit et cette histoire. Après, je me trompe peut-être sur la toxicomanie. J'ai juste trouvé donc des emballages de seringues qui sont très utilisés pourtant par les toxicomanes, mais peut-être que je me trompe. Donc, je m'excuse par avance si c'est une erreur de ma part. Donc, il observe les déambulations d'une sorte de vagabond agité qui a peut-être une addiction, une pathologie mentale. C'est une personne isolée, proche de cet endroit. Bah, ça correspond, quoi, totalement. Il y a un entassement physique, énergétique, lourd et pesant dans ce lieu. L'ambiance au cours de l'enquête sera changeante. Des bruits de pas, des coups, des mouvements et des interactions avec des voix audibles seront possibles. Ton côté gauche pourrait être pesant, tu auras l'impression d'être observé et tu vas ressentir des zones de froid tournant autour de toi. Ton émotionnel sera un peu chamboulé mais sera plus calme ensuite. Sois prudent. Sur le froid, oui, c'est vrai que j'ai ressenti du froid. Pour le moment, pour le reste, pas de bruit, pas de coups, pas de mouvement, pas de voix audible. C'est très très calme à ce niveau-là.
mais l'enquête ne fait presque que commencer. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Les choses peuvent évidemment changer par la suite. Merci Adrien. Si plusieurs des éléments énoncés par Adrien dans son courrier sont difficilement vérifiables ou ne semblent pas être toujours très justes, deux de ses visions sont particulièrement intéressantes et méritent, selon moi, d'être retenues. Parce qu'elles rejoignent mon propre ressenti sur le terrain, il y a d'abord celle du juriste ou du politicien qui résiderait dans une pièce servant de bureau ou de bibliothèque. Puis, il y a surtout cette intuition troublante d'un homme isolé vivant à proximité qui serait affecté d'une addiction et qui aurait déambulé récemment dans les lieux. Une intuition qui va immédiatement me rappeler la rencontre inattendue que j'ai moi-même faite il y a quelques jours lors de ma découverte du château. En dehors de ces deux éléments, pour le moment, à part des sensations de courant d'air ou de froid et quelques bruits, aucune des autres prédictions concernant mon enquête de ce soir ne se sont véritablement produites. Mais il est encore tôt, je ne suis qu'au début de mon investigation, et à en croire Adrien, ce soir, je devrais être surpris. Donc, vous l'avez entendu, je viens d'installer des capteurs de mouvement à différents endroits. Un ici, un dans cette pièce. Si quelque chose se déplace dans ces endroits, une voix retentit et me signale qu'un mouvement a été capté. Il y en a un autre qui surveille le couloir. C'est la zone 3. Et un dernier capteur, juste ici, dans cette pièce. Moi, je vais rester dans cet espace et je vais m'installer ici pour faire une séance de TCI avec un appareil un peu nouveau et très particulier. J'ai mis en face de moi cette caméra qui va non seulement me filmer, mais qui va surtout filmer ce qui se passe ou qui pourrait se passer derrière moi. L'idée, c'est que moi, je vais être tourné vers le mur. Je vais être assis là, tourné vers le mur, et je ne vais absolument pas avoir connaissance de ce qui se passe dans mon dos. Donc il y a tout cet espace qui va se trouver derrière moi et qui va être surveillé par une caméra qui me fait face. Ça, c'est une sorte d'enceinte radio tout à fait étonnante, très particulière, qui permet de faire plein de choses et dont j'ai décidé de détourner l'usage pour chasseurs de fantômes. Dans un premier temps, je vais l'utiliser tel quel. Donc, c'est une enceinte qui fait radio. En fait, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est ralentir la radio. Là, ça capte vraiment la radio. Je l'ai simplement... Voilà, je ralentis en fait la radio. Ça capte la radio et on peut faire un ralentissement ou une accélération. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'utiliser. Alors on peut aussi, normalement, changer les stations, comme une spirit box. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je vais mettre sur une, voilà, là-dessus. Est-ce que vous pouvez utiliser la radio qui se trouve devant moi pour me parler, s'il vous plaît? J'aimerais bien connaître votre nom ou votre prénom.
pour réveiller. Ok. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il s'est passé quoi là? Alors, l'appareil vient de s'éteindre tout seul, mais vraiment sans raison. Il n'y a aucune raison que ça s'éteigne. Pour l'éteindre, il faut faire ça. Vous voyez, c'est ce bouton. Là, on a tac, je l'éteins, et là, je le rallume. Alors, il y a un gros courant d'air froid dans mon dos. Il y a des bruits juste derrière moi. Je me suis retourné, je vois rien. Faut pas que je me retourne. En fait, faut que je reste. Faut pas que je me retourne. Je vais essayer de fermer les yeux, de ne pas me retourner et de... Je ne sais pas ce qui se passe, je sens du froid. En quelques minutes, plusieurs événements viennent de se produire. Et à ce moment précis, j'ai plus que jamais le sentiment que quelque chose d'étrange est peut-être réellement en train de se passer. Et j'essaye, tant bien que mal, de garder mon sang-froid. J'ai entendu des bruits, j'ai ressenti des courants d'air froid, et j'ai surtout été témoin de l'arrêt complet et soudain de l'enceinte radio que j'étais en train d'utiliser. Je maîtrise encore assez mal ce nouvel appareil, et sur le moment, j'ai été sincèrement surpris de le voir s'arrêter. Je comprendrai seulement bien plus tard que cette extinction était a priori tout simplement liée à une fonction que je ne connaissais pas et que j'ai certainement dû déclencher par inadvertance. Cet événement ne serait donc absolument pas inexplicable. Toutefois, en analysant plus tard les enregistrements de cette soirée d'enquête, je vais tout de même faire une découverte réellement déconcertante à ce sujet. Juste avant que ma radio ne s'éteigne, une voix féminine a retenti, délivrant un message étonnamment annonciateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il s'est passé quoi là? Il ne s'agit sans doute pas de la voix d'un fantôme, et ce n'est peut-être qu'une simple coïncidence, mais le fait qu'un tel message retentisse quelques secondes après que j'ai expliqué les bases du fonctionnement de ma radio et quelques secondes avant son arrêt inattendu est tout de même quelque chose d'assez stupéfiant. Entendre une voix dire « il peut s'éteindre » et être témoin de l'extinction de mon appareil au moment où j'entends des bruits et au moment où je ressens des courants d'air froid n'est finalement peut-être pas totalement anodin. Si ce qui vient de se produire est donc déjà plutôt étonnant, vous allez voir que la suite de mon enquête réserve encore quelques surprises. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, me dire qui vous êtes, s'il vous plaît?
Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ? Y a quelqu'un ? C'est terrifiant. Je pense que ça venait de là-haut. Y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un là-haut ? Ça me demande un courage monstre là, parce que je suis à deux doigts de quitter le château. C'est vous qui êtes là? Qui êtes-vous? Oh putain. C'est juste les ombres, mais ça m'a fait flipper. Donc là, j'ai ces sensations que je déteste, avec des fourmillements partout dans le corps. La tête, derrière la tête, ça me fait des sensations étranges. J'ai ça à chaque fois que les... Alors, je sais que c'est lié aussi à la peur, mais je crois que j'ai ça à chaque fois que l'ambiance bascule, quoi. C'est rien, j'ai marché sur un bout de fer. Vous me croirez pas, j'ai cru entendre chantonner. Enfin, il y a un moment là déjà, mais j'ai entendu chantonner. Alors c'est un oiseau, c'est probable. Il y a quelqu'un ? Au final... Ça faisait comme une voix de petite fille qui chantonnait. Mais ça peut être aussi un animal à l'extérieur. Tout est ouvert, enfin il y a des fenêtres ouvertes. J'ai entendu chantonner. Est-ce que c'est toi qui chantonnes ? Ça c'est un chien, c'est peut-être ça que j'ai entendu. Il y a des chiens qui aboient au loin.
vous le dis, je suis paralysé. C'est horrible. J'aurais jamais dû monter. Je redescends immédiatement. Pas très bien, je suis très ça m'a beaucoup stressé là, j'ai cru entendre chantonner, j'ai cru entendre des pas, c'est peut-être des hasards, des bruits qui n'ont rien à voir, c'est peut-être un oiseau, c'est peut-être normal, mais ça m'a mis très mal, ça m'a mis pas bien du tout, vraiment pas. Ouf, faut que je me calme, ça va, sinon je peux pas continuer, c'est simple, je devais devoir partir. Ouf, faut que je fasse une pause, mais où? Ah, salut, allô? Ouais, c'est pas grave. Écoute, j'étais en train de faire une séance de TCI et y a eu comme des bruits à l'étage. Et je suis monté et je crois que j'ai entendu chantonner, mais je sais pas si c'est à l'extérieur ou dans le château. Et je suis pas bien du tout, ça m'a mis vraiment pas bien. Donc là, je sais pas quoi faire. Il y a aucun endroit où tu peux te dire, tiens, je vais me mettre là et ça va. Je vais me remettre de mes émotions et voilà, je sais pas quoi faire. Donc si je vais t'appeler, ça va peut-être me faire du bien de t'entendre, me faire redescendre, parce que là, je sais pas ce que je fais. J'ai dû faire un tiers, même pas un quart de ce que je comptais faire ce soir, quoi. Bon, je me suis fait un gros coup de speed, j'avais qu'une envie, c'est arrêter de partir. Mais j'ai l'impression d'avoir rien fait encore. Mais là, ce que j'ai cru entendre ou entendu m'a terrorisé, vraiment, quoi. Donc ne sachant pas quoi faire, vu que l'endroit est absolument inhospitalier, pas accueillant, et qu'il n'y a aucun endroit où tu peux te poser pour te sentir mieux, j'ai appelé ma femme, avec qui j'ai discuté 5 minutes, ça m'a fait du bien, ça m'a fait redescendre un peu. Dans l'immédiat, j'aimerais me dire que c'est explicable, et que c'est un oiseau, et des bruits qui n'ont rien à voir. Et d'un autre côté, je me dis que ça se trouve, j'aimerais bien avoir enregistré des choses étranges. Donc je suis très, très perturbé là, très perturbé dans mes émotions. Ça m'a retourné là, l'histoire. Bon, je vais reprendre ma séance de TCI, je vais essayer. Bon, j'ai pas eu de résultat particulier avec. Je découvre encore cet appareil et ses possibilités, sans trop savoir non plus que si vraiment ça peut s'adapter à l'enquête paranormale totalement, voilà, c'est un test. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici maintenant avec moi? Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Utilisez l'appareil posé devant moi pour me répondre. Malgré le moment de panique incontrôlable que je viens de vivre, et malgré les sentiments de doute et de crainte qui m'animent encore, après avoir presque envisagé de quitter les lieux, j'ai finalement décidé de prendre sur moi et de poursuivre tant bien que mal mon enquête. Je vais donc laisser de côté mes émotions et reprendre l'expérience avec la radio que j'avais dû interrompre quelques minutes plus tôt en entendant ces bruits ressemblant à des pas qui semblaient provenir de l'étage. Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, me dire qui vous êtes, s'il vous plaît ? L'événement sonore va énormément me surprendre, c'est surtout ce que je vais percevoir ensuite qui va totalement me déboussoler. Je vais en effet avoir l'impression d'entendre des voix ou plutôt des sortes de chantonnements à plusieurs reprises pendant quelques secondes. Des sons assez lointains et assez infimes qui m'ont eux aussi semblé provenir de l'étage du château et qui m'ont totalement terrifié. Ces sons ont été enregistrés par mes microphones, et après avoir appliqué plusieurs traitements et en utilisant le matériel adéquat comme un bon casque audio, une partie d'entre eux sont audibles. Il y a quelqu'un ? Après
réécoute, il est indéniable que ces sons ressemblent de manière assez troublante à des chantonnements plutôt féminins, et il est indéniable qu'entendre de tels bruits le soir dans un château inhabité et à l'abandon est a priori totalement anormal. Toutefois, il n'est pas très tard, et on ne peut pas exclure que ces sons puissent aussi provenir de l'extérieur du bâtiment ou du voisinage, ou qu'il puisse s'agir de cris ou de chants d'animaux ou encore d'aboiements comme ceux que je vais justement entendre par la suite. Si on prend aussi en compte la physique du son, sa diffusion et sa propagation dans l'espace, il est aussi tout à fait possible que ce que j'ai entendu ou que ce que mes micros ont enregistré soit une forme altérée ou déformée des sons d'origine. Quoi qu'il en soit, parce qu'ils sont tout de même surprenants, ces chantonnements, tout comme ces bruits ressemblant à des pas qui ont retenti à l'étage du château, sont tout de même des événements marquants et déroutants. Et à ce titre, ils méritent selon moi de rejoindre la liste des potentiels indices récoltés dans le cadre de cette enquête. Une enquête que je vais donc poursuivre, malgré l'état d'inquiétude irrationnel dans lequel je me trouve encore, en invitant à nouveau d'éventuels esprits à utiliser mon enceinte radio pour me répondre. Je vais prolonger mon expérience avec cet appareil pendant un très long moment. Générateur de bruit blanc, ralentissement, inversion, relecture, je vais prendre le temps d'exploiter tour à tour tout le potentiel de mon dispositif tout en multipliant les interpellations et en écoutant attentivement les sons générés afin de repérer d'éventuelles réponses. Je vais même conclure cette expérience en reliant ma vieille Spirit Box à cette enceinte radio pour en utiliser toutes les fonctionnalités. Moi je m'appelle Guillaume, est-ce que... Pour être sûr d'avoir affaire à quelqu'un et pas simplement à mon imagination, est-ce que tu peux... Est-ce que quelqu'un peut dire mon prénom à travers la radio ? Guillaume. Malgré le temps passé, malgré mon insistance et malgré tous mes efforts, en dehors du fait que cette longue séance de transcommunication instrumentale va me permettre de m'apaiser, je ne serai témoin d'aucun fait marquant, et aucune des voix ni aucun des sons que je vais entendre à travers mon dispositif ne va réellement me surprendre. Je vais donc décider de mettre un terme à cette expérience. Allez, j'arrête. Si pendant toute cette période, rien de particulier ne s'est produit, si le château est resté très silencieux, et si je suis désormais de nouveau totalement serein, vous allez voir que ce calme et cette quiétude apparente vont soudainement être de nouveau troublés. Cet appareil est très intéressant, il y a quelque chose à faire en termes de TCI, mais ça demande encore un petit peu de travail hors enquête déjà. J'ai déjà passé du temps dessus, hein, mais c'est très compliqué, je me rends compte d'entendre... clairement ce qui se dit. Je réécouterai, je réanalyserai tout ça, mais j'ai rien entendu là comme ça qui me paraisse intéressant et compréhensible surtout. Donc je vais passer à une autre expérience dans l'immédiat. Entendre un des détecteurs se déclencher. Zone 4. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ?
On a le détecteur de mouvement qui s'est déclenché là-bas. Alors, j'ai des gros frissons en arrivant dans la pièce. Je suis pas bien. Il y a quelqu'un ? Quelque chose à bouger dans la zone 4. Est-ce que vous êtes déplacé dans la pièce ? De toute façon, il y a deux options. Soit l'appareil a bugué, soit il a capté quelque chose. Et s'il a capté quelque chose, c'est pas un objet qui est un tout. Enfin, c'est pas une feuille qui tombe, c'est pas un petit coup de vent, c'est quelque chose de. Voilà, il faut un mouvement, quoi. À ma connaissance, ces appareils ne peuvent pas bugger. Enfin, ne sont pas censés bugger. Hein. Les fois où je les ai utilisés, j'ai jamais eu de déclenchement sans un mouvement de ma part devant. On va faire un test en jetant un truc qui va passer dans le champ de la caméra, du capteur. Je sais clairement pas quoi penser du tout de ce qui vient de se passer, de ce qui s'est passé tout à l'heure. Là, ça va, je gère. Mais en rentrant dans la pièce, une nouvelle fois, j'étais pas bien du tout. C'est vraiment un endroit qui me met très mal à l'aise. Je vais finir de ranger mes affaires. J'éteins pas la caméra. Je vais peut-être partir. Je crois que je suis pas capable de continuer. J'en sais rien. C'est très compliqué. Si je m'écoutais, je quitterais les lieux immédiatement. Mais comme j'ai conscience que les craintes qui m'animent sont en partie irrationnelles et qu'il y a une part de psychose dans tout cela, je vais finalement décider de ne pas tenir compte de mes émotions et de rester pour essayer de comprendre ce qui se passe depuis tout à l'heure et surtout tenter d'approfondir mon enquête. Il serait clairement dommage de quitter les lieux alors que ce que je suis venu chercher est peut-être en train de se produire. J'ai installé ce qu'on appelle un laser grid, c'est ce petit projecteur de laser qui va projeter, je ne sais pas si vous allez le voir, tous ces petits points rouges sur le mur en face. Si quelque chose, donc c'est surveillé par une caméra qui est ici. Si quelque chose devait bouger dans cet espace, on verrait les points, la forme se faire sur les points. C'est quelque chose qui est très utilisé en enquête paranormale. Moi, je l'ai rarement utilisé, peut-être une fois, il y a longtemps. Je l'installe ici, puisqu'apparemment, mon détecteur aurait détecté quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce ? Est-ce que vous êtes là ? Si vous voulez revenir dans cette pièce, n'hésitez pas. J'ai besoin de savoir si c'est vous que mon capteur a capté ou s'il a tout simplement réagi pour rien. Pour le savoir, il faudrait que vous reveniez ici, si vous voulez bien. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez revenir dans cette pièce ?
On verra bien. Je vais laisser la caméra surveiller les points laser. Et moi, je vais aller lire une autre lettre des médiums. Voir si je peux en découvrir peut-être un peu plus sur l'endroit où je me trouve. Et sur ce que je suis en train de vivre. Donc, c'est le message de Jennifer Diol. J'ai les oreilles qui sifflent à nouveau. Donc c'est le message de Jennifer Diol. Voilà mes impressions sur le lieu. J'ai ressenti de suite une présence masculine. Une personne seule et limite acariâtre, sans doute une personne ramenant au 19e siècle. Je l'ai aperçu avec un aspect assez maigre, pas très grand, avec un chapeau noir. Sans doute une personne type notaire, quelqu'un de très procédurier, en rapport avec la justice. Alors là, j'ai l'impression de relire ce que Adrien m'a écrit. Jennifer nous dit, personne assez maigre, grand, pas très grand, chapeau noir, notaire, procédurier en rapport avec la justice. Une personne ramenant au 19e siècle, acariâtre. Et Adrien, je vois un homme du 19e siècle, assez fin et élégant, aspirant à une vie littéraire, juridique ou politique. Juridique. Je vois un espace qui lui est dédié, un bureau ou une bibliothèque où il passait de nombreuses heures. Il se déplaçait beaucoup et loin. On a le même homme. Ça me fout les frissons. On a Adrien et Jennifer qui me parlent d'un homme. Possiblement juriste ou dans le juridique. Du 19e siècle. Qui serait dans le château. Monsieur, on m'a parlé de vous, je crois. Vous êtes là? Vous étiez notaire? Ou juriste? Juge? Avocat? Est-ce que votre bureau se trouve dans la pièce dans laquelle j'ai posté quelques appareils? Je vais continuer la lecture. Il y a aussi une notion d'argent, une personne pingre et proche de ses sous. Il était peu aimé, d'où cette solitude. Il n'aime pas qu'on vienne là, mais il ne fait... J'ai cru entendre quelque chose, mais je sais pas. Mes sens me jouent des tours. Je psychose à moitié, d'ailleurs. Alors. Il n'aime pas qu'on vienne là, mais il ne fait que regarder en grimaçant. J'ai ressenti un ronchonnement, ça grince des dents. Potentiellement aussi une présence animale, type chien. Tu peux peut-être tenter une communication avec lui. Alors Jennifer, si tu parles de communiquer avec un chien, je saurais pas trop comment faire en enquête. Ça me paraît... spécial d'appeler un chien fantôme. Je ne me sens pas prêt du tout à faire ça, mais j'ai peut-être tort, c'est peut-être bête, mais je me le sens pas trop. C'est un lieu où tu pourras par endroit te ressentir du malaise, notamment un bureau, un lieu de travail avec un bureau, des livres. Il y a des bruits de chuchotement, prête-y attention. Voilà pour mes ressentis. Adrien nous parlait, pareil. Je vois un espace qui lui est dédié, un bureau ou une bibliothèque où il passait de nombreuses heures. Là, on a deux fortes corrélations entre les textes de Jennifer et de Adrien qui me parlent tous les deux d'un homme, juriste, et d'un bureau dans lequel il passerait du temps. Je me trompe peut-être, mais pour moi, il s'agirait de cette pièce. Mais c'est juste une impression, j'en sais rien. Ça se trouve, le bureau, il est absolument pas là. Est-ce que c'est votre bureau ici, monsieur? On m'a dit que vous étiez là.
Dans le château. Êtes-vous... Oh, j'ai des frissons, c'est terrible. Non, en fait, la pièce là-bas me met pas bien. Et, alors, c'est peut-être purement psychologique, mais c'est très étonnant, c'est très étrange, les ressens. Ça, d'un coup, je suis là-bas, et d'un coup, ça me... En même temps, il fait très frais ici. Il faut que je prenne mon thermomètre, il faut que je regarde ça. Donc la température de surface est en bas, c'est 16,6. Température dans la pièce, c'est 17 degrés. J'ai une sensation. Oh, je vais pas m'y faire. Non, j'ai une grosse sensation de froid ici. Pourtant, les températures a priori sont identiques. 16,6. Et pourtant, moi, je trouve qu'il fait froid, quoi. Mon ressenti est très, très bizarre. Vous êtes là, monsieur? Est-ce que vous êtes là? Coïncidence ou pas, les lettres d'Adrien et de Jennifer contiennent des éléments très similaires. Et même s'il s'agit d'une simple supposition, je ne peux m'empêcher d'associer leur ressenti à distance à mes propres impressions sur le terrain. Et je ne peux m'empêcher d'imaginer que les émotions oppressantes que je ressens et que le déclenchement étonnant de mon capteur de mouvement dans une des pièces précises du château puissent avoir un lien avec l'homme, juriste, ayant vécu au 19e siècle, dont parlent les deux médiums. Pour tenter de le vérifier, l'endroit en question est désormais sous la surveillance de plusieurs appareils. Un détecteur de mouvement, une grille laser et une caméra et son microphone. Pour compléter ce dispositif, comme on raconte que les esprits génèrent parfois un champ magnétique lorsqu'ils se manifestent, je vais m'équiper d'un capteur qui permet justement d'entendre la présence de ces ondes fantômes. Je vais rester dans la pièce un long moment, en brandissant mon appareil, tout en interpellant l'homme qui pourrait peut-être s'y trouver. En dehors du mal-être plus ou moins intense que je vais continuer de ressentir dans cet endroit, absolument rien de particulier ne va se produire. Et après quelques minutes, je vais décider de quitter les lieux pour arpenter le reste du château avec mon détecteur. Je vais donc me rendre dans toutes les pièces et dans tous les couloirs du rez-de-chaussée en prenant le temps de tout visiter à nouveau, de tout scanner et de tout observer tout en invitant bien évidemment d'éventuelles présences invisibles à se manifester. Malheureusement, malgré ma persévérance, je ne serai témoin d'aucune activité anormale. Et en dehors de rares interférences explicables, mon capteur de champ électromagnétique restera muet. Si cette longue déambulation dans cette partie du château sera donc totalement infructueuse, après avoir passé plusieurs heures, seul, de nuit, dans ce cadre glauque, vétuste, oppressant et incommodant, je vais par contre commencer à ressentir plus que jamais un profond inconfort physique et émotionnel. En fait, ce château me donne vraiment un sentiment de totale déchéance, quoi. Alors, j'ai une sensation très bizarre, là. Ça me fatigue, j'en peux plus. Je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué de ce château, là. J'ai une sensation très bizarre dans le dos. C'est physique, hein. C'est pas qu'on m'a touché ou autre. Je suis fatigué. Le château m'épuise, là. Je suis désolé de me plaindre, mais je m'attendais pas à autant de violence. Quand je suis venu ici deux jours pour le visiter, à part deux pièces qui m'avaient un petit peu, voilà, dans lequel j'avais un peu plus d'émotion, enfin quelque chose, le château m'avait pas retourné comme ça du tout, quoi. Mais là, puis le fait d'y être tout seul aussi, ça joue beaucoup. J'osais pas remonter depuis tout à l'heure, mais bien, faut bien le faire, quoi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main, qui pourra peut-être
me dire que vous êtes bien là, me faire savoir que vous êtes bien là. Je crois avoir entendu des pas ou quelque chose comme ça ici, tout à l'heure. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Est-ce qu'il y a une dame ou une petite fille dans cet étage du château? Je suis de plus en plus mal physiquement, moi, c'est dur. Après, je me suis fait des petits coups de stress quand même, hein, donc ça peut jouer. En fait, j'aime pas du tout venir dans cet espace. Il y a quelqu'un? Alors, c'est pas possible. Eh ben, écoutez, je suis pas bien. Cet endroit me met définitivement mal. Je fais que me plaindre, je sais, mais je peux pas faire autrement, là. Je vis le truc comme ça, quoi. Vous êtes là, madame? Mademoiselle? Est-ce qu'il y a une petite fille ici? Est-ce que c'est toi qui chantonne? Tu es là? Tu es là? Ça bouge, c'est pas possible. C'est où? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ?
tellement eu peur. Il y a un oiseau. C'est lui que j'entends. Ah, tu m'as fait tellement peur. Ah, c'est incroyable, j'ai vraiment eu le sentiment que là, il y avait quelque chose tout près de moi. Ça m'a mis... C'est soulageant de voir un petit être vivant comme ça, là, d'un coup. Ah, on se demande tous les deux ce qu'on fait là, hein. Je vais redescendre. Ce qui vient de se passer me rappelle que ça se trouve, tout ce que j'ai cru entendre, ou que j'ai entendu, ou que ce que je crois vivre, ou que ce que je vis depuis tout à l'heure, est parfaitement explicable. On en a la preuve là à l'instant, avec ces bruits que j'ai entendus. Imaginez que l'oiseau serait parti par la fenêtre et que je ne l'ai pas vu. Je serais resté sur l'idée que je venais d'entendre les déplacements de quelque chose d'invisible. Et d'un autre côté, c'est étonnant, ça m'a fait du bien de voir que c'était un oiseau. Ça m'a rassuré immédiatement. D'un autre côté, ça m'a fait tellement peur à ce moment-là que... je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir dans ce château, mais ça va être très compliqué. En tout cas, pas de résultat avec mon capteur de champ électromagnétique. J'ai fait quasiment tout le tour du château, à part les zones en très mauvais état, enfin les zones déchetterie, et aucun résultat particulier. Je vais tenter d'autres expériences. Je reste. Malgré cette sorte d'oppression mentale et physique que je ressens depuis plusieurs heures, et malgré mon envie récurrente de quitter les lieux, je vais tout de même décider de poursuivre mon enquête. Et je vais donc m'installer de nouveau dans la pièce qui me sert de QG pour mener une séance un peu particulière d'écriture automatique. À la place de la traditionnelle feuille de papier, du traditionnel stylo, je vais en effet utiliser une tablette et son stylet avec une application qui permet de faire de la reconnaissance de notes. L'idée est donc de fermer les yeux, d'essayer de vider son esprit au maximum, et de laisser sa main filer de la manière la plus irréfléchie et la plus autonome possible, pour laisser le soin à l'application de traduire au fur et à mesure les formes et les gribouillages obtenus en éventuels mots et en éventuelles phrases. Ayant bêtement oublié de lancer l'enregistrement de la caméra qui surplombe de près cette expérience qui va durer une bonne demi-heure, je ne peux malheureusement pas vous montrer l'évolution de cette séance, mais seulement son résultat. Un résultat peu convaincant, qui, à moins que l'on ne cherche vraiment à surinterpréter les mots et les phrases obtenues, ne va délivrer, selon moi, aucun élément probant ou particulièrement significatif. On va lire la dernière lettre, et je mènerai peut-être une dernière expérience ensuite, avec un magnétophone. Dans l'immédiat, on va donc lire cette lettre. Je me sens à nouveau bizarre, là. C'est dur. Et c'est très dur physiquement, je vous en ai déjà parlé. Je pense pas, je sais pas. Vous allez me trouver bizarre. Je vais ouvrir la dernière lettre. A priori, c'est celle de Nathalie Knepper, la troisième médium que j'ai contactée. Lettre dont je ne connais pas le contenu et que j'ai reçue tout juste hier et que je vais donc vous lire et découvrir avec vous. Nathalie Knepper, donc c'est une description faite sous hypnose. En fait, Nathalie travaille sous hypnose et tout ce qu'elle a écrit, c'est ce qu'elle a vu ou ressenti, ou les impressions, ou les choses qu'elle a vécues dans un état d'hypnose. Alors, elle ou un sujet qu'elle hypnotise. Je ne sais pas comment elle est travaillée là pour le coup, je lui demanderai à l'occasion. Mais voilà le processus de travail qu'elle utilise, qui est très particulier et très intéressant. À l'extérieur, je ne sens rien de particulier. Il n'y a pas d'informations sur les propriétaires ou sur ceux qui ont vécu dedans. On voit juste qu'il y a eu des balles. Même la construction du château, il n'y a rien sur les propriétaires. Eh bien, je t'avoue, Nathalie, que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ce château et sur les
plus ancien propriétaire. Pour tout dire, j'en ai quasiment pas. Je me projette au moment où tu rentres dans la maison. Rien au départ, puis tu commences à sentir une légère pression sur les côtés de la tête. Dans la pièce en bas l'escalier, il y a une petite fille de 10-12 ans, dont le visage est comme une poupée de porcelaine figée. Seuls les yeux sont extrêmement perçants et mobiles. Tu commences à ressentir quelque chose qui appuie sur le haut de ta cage thoracique. Ce sont ses mains. Elle incruste dans le côté droit de ta poitrine une sorte de cylindre qui fait tomber toute ta substance, ta moelle énergétique, dans tes pieds. Cette énergie qui vient de toi se diffuse dans le sol puis dans les murs. Ici, c'est chez elle. Nathalie est plus sur une petite fille. Et c'est marrant, c'est étonnant, parce que j'ai eu ce sentiment moi aussi. Mais moi, il est juste... voilà, c'est mon imagination. Elle règne sur sa maison et tous les êtres qui y sont. Sur chaque visiteur, elle prélève la substance pour nourrir sa maison. Les êtres qui y vivent ressemblent à des amas de matière noire, comme de la poussière animée. Ils la craignent tous. On les voit surtout dans le long couloir, par terre ou sur les murs. Quant à toi, tu vas sentir du froid jusque dans tes os, voire te mettre à trembler. Tu n'es vraiment pas bien. Tu peux aussi voir des flashs lumineux. Tu seras content de partir. Tu as eu des ressentis très noirs, je trouve, et très particuliers. Je te cache pas que j'ai un peu le même sentiment de profonde noirceur et l'envie de partir, effectivement. Je l'ai depuis presque 2 heures, là. Et je reste, je ne sais pas pourquoi ni comment. J'ai qu'une envie, c'est de partir, effectivement. Tu parles d'une petite fille, donc ça me remue un peu, parce que j'ai ce sentiment aussi. J'ai cru entendre chantonner ou fredonner tout à l'heure, et peut-être des pas, sans certitude. Faut réécouter, voir si c'est enregistré. Quant à mon état, effectivement, je subis pas mal. Je subis, mais je pense que le lieu dégage ça de manière générale. Ça te phagocyte, c'est trop de négatif ici. Il y a certainement eu des moments très heureux ici, mais c'est absolument pas ce qui ressort, c'est pas absolument pas ce qu'on ressent en étant ici. Ici, on ne ressent plus que de la décrépitude. Je vais mener une toute dernière expérience. Je vous le dis, je pense qu'il faut que je parte. Ça me désole parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait et en même temps il est 1h du matin. Mais en fait ça fait plus de 6 heures que je suis ici en fait. J'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression que je viens d'arriver et que je n'ai rien fait. Que mon enquête est... Et en fait non. Je mène une dernière expérience et on verra, on va voir. Il y a quelques heures, au tout début de mon enquête, j'exprimais déjà mon envie de quitter le château et cette envie n'a fait que s'amplifier au fil du temps. De mémoire, en dehors de mes premiers pas de chasseur de fantômes, et en dehors de quelques rares exceptions, je crois que je n'avais jamais ressenti un tel mal-être dans un lieu, et je ne me souviens pas avoir déjà autant exprimé mon envie d'en partir lors d'une enquête. Je ne sais pas si les observations sous hypnose de Nathalie Knepper sont justes, et je ne sais pas si je suis victime de l'influence négative de cette petite fille qui régnerait ici, et dont j'ai peut-être entendu et enregistré les chantonnements. Je ne sais pas non plus si l'état dans lequel je me trouve depuis plusieurs heures est lié à la présence d'esprits invisibles. Une chose est sûre, ce soir, les quelques événements plus ou moins troublants qui se sont produits, et le fait de m'ouvrir à l'irrationnel en me laissant envahir par mon imagination sans trop utiliser les barrières de l'objectivité, m'ont très probablement emmené dans une sorte de confusion émotionnelle et d'abattement physique particulièrement difficile à surmonter. Quoi qu'il en soit, malgré mon état, et malgré mes appréhensions, je vais tout de même poursuivre mon enquête en m'installant à l'étage du château, dans la chambre, qui m'impressionne le plus. Donc là, le projet, c'est d'utiliser un magnétophone à cassette. Tout simple, de lancer l'enregistrement. Voilà qui est fait. En parallèle, je vais utiliser la Bad Box. C'est un appareil qui capte les ultrasons, très utile pour entendre notamment les chauves-souris. En l'occurrence, là, l'idée, c'est peut-être de l'utiliser pour pouvoir entendre des sons que l'oreille humaine n'entendrait pas et qui seraient beaucoup trop hauts, beaucoup trop aigus pour que nous puissions les entendre. Mais peut-être, pourquoi pas, on peut tout imaginer que des fantômes, des entités, des esprits puissent communiquer ou échanger sur ces fréquences-là que nous n'entendons pas. Je vais aussi mettre en route un détecteur de champ électromagnétique que je vais écarter un peu. Et ici un Tokiwoki qui va scanner 15 fréquences différentes
Donc il scanne, donc on va avoir une petite lumière verte qui clignote. Il va scanner ses fréquences et s'il capte une voix, un élément, il va s'arrêter dessus. Imaginons qu'il capte, je sais pas, une conversation entre deux cibistes, entre une conversation depuis un aéroport ou un message depuis un aéroport ou autre, eh bien il s'arrêtera dessus, on l'entendra. L'idée, c'est peut-être d'entendre des choses qui soient tout autres, pourquoi pas une communication d'un fantôme. Voilà, on tente, on expérimente, enfin je tente, j'expérimente. Je suis fatigué, mais ne m'envoyez pas si j'ai du mal à exprimer ce que j'essaye de vous dire. Je ne suis pas parfaitement bien. Et donc je vais l'allumer. Voilà, donc là il est en train de scanner des fréquences. Bien entendu, ce qu'on va entendre avec ce talkie n'est pas forcément paranormal. Ce qui peut être étrange, c'est que les messages aient un sens par rapport à ma présence ici, par rapport au château, ou autre. Et j'allume la bad box. Donc elle va générer un petit bruit un peu comme ça, sifflotant. Séance de TCI avec un talkie-walkie, une bad box et un enregistreur de cassette à l'étage droit du château. Dans une des chambres. Je vais vous poser une série de questions. Je vous invite à me répondre, si vous le voulez bien. Est-ce qu'une petite fille se trouve ici? Est-ce qu'une petite fille se trouve ici? À tout moment, vous pouvez dire mon prénom. Mon prénom, c'est Guillaume. À tout moment, vous pouvez m'interpeller en me donnant mon prénom, en disant mon prénom, Guillaume. S'il vous plaît. Quel est votre prénom? Enfin, je m'adresse toujours à cette petite fille. Quel est ton prénom? C'est dur. C'est très très dur là. Alors, il y a un bruit bizarre dans le bad box. Il y a eu un bruit très bizarre dans la bad box, une espèce de son aigu et des grésillements. C'est pas habituel. C'est un appareil que j'ai souvent utilisé l'été, on le sort souvent pour écouter les chauves-souris.
J'ai rééteint et rallumé l'appareil, ça le fait plus, donc c'est peut-être... c'était peut-être juste un petit bug. On m'a dit que ce château serait ton château. Tu peux utiliser un des appareils qui sont devant moi pour me parler, pour communiquer avec moi. À quelle époque as-tu vécu ici ? Est-ce que certaines des peluches qui sont dans le château t'ont appartenu ? Quel âge as-tu ? Est-ce que tu as peur de moi ? Est-ce que c'était ta chambre ici ? Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, madame ? Pour quelle raison êtes-vous encore ici ? Est-ce que vous êtes là ? Initialement, j'ai prévu de mener cette séance avec le magnétophone dans cette chambre pendant exactement 30 minutes. Pendant un bon quart d'heure, je vais pouvoir multiplier les questions et les interpellations sans aucun véritable problème autre que l'état d'épuisement général dans lequel je me trouve. En dehors d'un sifflement et de quelques grésillements un peu étranges entendus à travers la Batbox, je ne vais rien constater de particulièrement anormal. Tout se passe donc plutôt bien, et a priori, rien n'aurait dû me pousser à quitter cette pièce. Je vais toutefois être soudainement contraint, bien malgré moi, de rejoindre le rez-de-chaussée pour poursuivre mon interrogatoire. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu fredonner ou chantonner tout à l'heure, et peut-être marcher à cet étage ? Des interférences étranges, la Batbox, hein, je trouve. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché mon détecteur dans la pièce fermée qui me semble être peut-être un bureau ? Ok. Oh purée, il y a une chauve-souris. C'est ça que j'entends. Elle fonce dessus, quoi. Elle vole très bas, c'est très embêtant. Qu'elle s'en aille. Je suis embêté par une chauve-souris, je vais finir cette session à l'étage en bas. Je reprends la séance de transcommunication dans la pièce du bas. Je m'adresse à toutes les âmes, les entités, tous les esprits qui pourraient encore être ici. Que pensez-vous de l'état dans lequel se trouve le château aujourd'hui ? D'après Nathalie Knepper, je m'adresse à la petite fille qui est ici, tu aurais une dizaine d'années. Un homme serait toujours là. Il aurait perdu sa femme trop tôt. Est-ce que vous êtes là, monsieur ? Un autre homme serait décédé de problèmes respiratoires. Vous seriez toujours là, vous aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire ? Je suis venu pour vous entendre, pour vous écouter. Est-ce que ma présence vous dérange ? Est-ce que vous voudriez que je m'en aille ? Est-ce que vous pourriez me le faire savoir par n'importe quel moyen ? En vous approchant, ah, j'ai froid. Gros coup de froid, là. Si vous voulez que je parte, faites-le moi savoir par n'importe quel moyen. Faites un bruit. Venez me voir.
parlez, bougez quelque chose, faites tomber quelque chose. Je viens de finir la séance de TCI avec le magnétophone. Je ne vais pas avoir le courage de le réécouter tout de suite. Il est tard. Je viens de faire une demi-heure de séance. Enfin, un peu plus, puisque ça fallait que je déménage mes affaires ici. Et la soirée a été très compliquée, très très difficile à gérer. Je pense en rester là pour ce soir. J'ai beaucoup de matière avec moi que je ramène, des enregistrements, des caméras. Il s'est passé des choses, ça j'en suis sûr. Certaines sont explicables, je le sais déjà. Il s'est passé des choses, ça j'en suis sûr. Certaines sont explicables. Mais il y a eu un bruit juste là. Vous allez pas voir, mais j'ai les poils dressés partout sur les bras. C'est comme si quelque chose était tombé juste là, dans mon matériel. Peur. Vous l'avez vu et surtout entendu, alors que j'étais en train de filmer la conclusion de cette longue enquête, au moment où je répète une phrase sur laquelle ma langue avait malencontreusement fourché à cause de la fatigue, je vais être soudainement interrompu par un énorme bruit qui va me faire littéralement bondir de mon tabouret. Il s'est passé des choses, ça j'en suis sûr, certaines sont explicables, je le sais déjà. Il s'est passé des choses, ça j'en suis sûr, certaines sont explicables. Si ce bruit qui m'a semblé retentir juste à ma droite, au niveau de l'endroit où se trouve mon matériel, va me faire sursauter et va me terrifier, il va surtout mettre un terme immédiat à ma présence dans le château. Il n'y a plus d'enquête qui tienne, il n'y a plus de tournage, désormais je veux juste partir sans ne plus rien commenter. En effet, j'ai soudainement repensé aux mots que j'ai prononcés il y a à peine quelques secondes lors de la séance de TCI juste avant que l'enregistrement avec le magnétophone ne se termine. Vous voulez que je parte, faites-le moi savoir, par n'importe quel moyen, faites un bruit, venez me voir. Parlez. Bougez quelque chose, faites tomber quelque chose. Évidemment, ce bruit qui a retenti n'a peut-être rien à voir avec ma demande. Et c'est vrai que quelque chose qui tombe naturellement d'un plafond ou d'un mur dans un endroit aussi délabré n'a en fait rien de bien exceptionnel. Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que s'il s'agit d'une coïncidence, ce qui est possible, elle est vraiment troublante. Et que s'il s'agit d'une véritable réponse de la part d'un esprit pour me faire partir, ce qui est sans doute un peu moins vraisemblable, j'ai peut-être tout de même eu raison de quitter les lieux. Aujourd'hui encore, à l'heure où j'enregistre cette conclusion, parce que cette soirée passée dans cet endroit aura été une véritable épreuve, et que la réalisation de cet épisode de Chasseur de fantômes aura été elle aussi étrangement fastidieuse, je m'interroge toujours sur ce que j'ai vraiment pu vivre ce soir-là d'une manière générale, dans ce château. Si j'analyse les choses avec raison, même si on a l'impression que certaines intuitions et certains indices récoltés pendant cette enquête semblent parfois se rejoindre, je pourrais revenir sur chacun des événements qui se sont produits et dire qu'il n'y a rien d'étrange, que chaque fait est explicable, que le hasard fait parfois bien les choses, et qu'en ce qui concerne mes ressentis et mon état général pendant cette enquête, j'ai tout simplement été victime de mon imagination, de mes sens, de mes peurs et de mes émotions. C'est peut-être le cas. Mais en ce qui me concerne, et c'est très personnel et très irrationnel, sans trop savoir de quoi il s'agit vraiment, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a peut-être quelque chose de plus subtil, de plus insidieux et de plus sombre. Finalement, je préfère vous laisser vous faire votre propre conclusion sur cette enquête en fonction de votre sensibilité, de vos certitudes et de vos opinions.
Pour ma part, j'aurais travaillé pendant un peu plus de 2 mois autour de ce château, et ce que je peux en dire, c'est qu'en enregistrant ces derniers mots, j'espère vraiment pouvoir enfin quitter définitivement ce mauvais endroit. Et surtout, ne plus jamais y revenir.